Bonjour, je suis Céline Cousteau, activiste et cinéaste. J'ai grandi dans une famille peut-être un petit peu inhabituelle. L'exploration du monde ramenait des histoires de très loin. C'était quelque chose qui me paraissait complètement normal. Et en grandissant, je réalisais que pas tout le monde était pareil. Et puis même maintenant, en tant qu'adulte, on me dit « Mais Céline, tu as vu des choses que les enfants n'ont jamais vues, tu as vécu des histoires, il faut que tu les racontes. » Donc ce livre, ça parle de mes expériences, des expéditions, une plongée en Antarctique, beaucoup de moments en Amazonie avec les indigènes qui m'ont appris beaucoup de choses. Des moments avec des requins, des anecdotes avec ma famille, des moments passés avec mon grand-père, ma grand-mère à bord de Calypso, à Monaco. Plus que jamais, je partage des histoires très personnelles. Je me suis permis d'être vulnérable face au lecteur, parce que je pense que le lecteur le mérite et que c'est comme ça qu'on partage de vraies histoires. C'est comme ça qu'on atteint le cœur et pas juste la tête. Ce qui est très important pour moi, c'est de partager justement cette interconnexion entre tout. L'être humain et la nature, les animaux, moi, eux. Je pense qu'il n'y a pas de différence entre tout ça. C'est important pour nous maintenant de réaliser que tout est lié. Plus que jamais, il y a cette urgence. Ça fait bien longtemps qu'on sonne l'alarme, que la nature est en train de souffrir. C'est maintenant qu'il faut agir.